C'est dans cette journée du 1er mars 2013 que le frère Paillon nous quittait, à l'âge de 75 ans, dont plus de 56 années au service du Maître. Nous voulons penser à sa famille, à ses 6 enfants, à ses 13 petits-enfants et ses 9 arrière-petits-enfants. Que la tristesse d'être séparés ne nous fasse pas oublier le bonheur de l'avoir côtoyé. C'est à Paris, le 3 février 1938, que naquit Théome Denis, dit Paillon. Marié à Tours en 1954 avec Pouyeka, celle qui nommait la doublure de son costume. Ils fondèrent un foyer. Elle restera une aide et une femme de Dieu à ses côtés tout le long de sa vie et de son ministère. Elle lui donna 6 enfants, qu'ils élevèrent ensemble dans l'enseignement de la parole de Dieu. 2 garçons, Phraïm et Manassé, et 4 filles, Léa, Tirza, Dorca et Priscille. Il prit son baptême à l'âge de 17 ans, puis entra dans le ministère à 19 ans. Pasteur depuis 56 années, il a tout de suite eu un amour pour la doctrine et l'enseignement. Il est devenu le premier enseignant Zigan de la mission Vie et Lumière en 1965 avec ses compagnons de toujours, Jimmy, Tarzan et Balo. Il enseignera dans toutes les écoles bibliques Vie et Lumière pendant toutes ces années la doctrine de la parole du Seigneur. Qui aurait pu penser, il y a 60 ans, que ce garçon de 15 ans, apprenant à lire sur une carte grise, allait devenir un des pionniers d'un des plus grands réveils du monde évangélique, et sûrement le plus grand réveil Zigan dans le monde. Pourtant, sa connaissance de la doctrine, il l'offrit entièrement pour plusieurs milliers de jeunes hommes, partout où il passait. Sa mémoire était surprenante. L'autodidacte, comme il se présentait, était capable de parler d'astronomie, de physique et même de médecine. Mais le sujet qui le passionnait par-dessus tout, c'était la Bible qu'il connaissait sur le bout des doigts. Il pouvait parler de religion, d'histoire de l'Église catholique, de judaïsme et même d'islam. Il pouvait avoir une conversation avec un rabbin sans jamais être arrogant. Il savait toujours présenter la Bible comme étant l'authentique parole de Dieu. Offrant sa vie, ses forces, ses enfants et son foyer, dans les rires, dans les pleurs et surtout dans la paix, un grand homme parmi nous s'en est allé. Thank you.
amis qui m'écoutez, les chrétiens, je vous dis de la part du Seigneur, vivons plus que jamais la résurrection de Jésus-Christ. Restons fermes dans notre résurrection spirituelle, qui est le pardon de nos péchés. Vivons cette résurrection spirituelle. Et attendons, nous, l'Église de Jésus-Christ, dans ces derniers temps, le retour de Jésus, qu'il a promis qu'il allait revenir, pour les morts en Christ vont ressusciter, nous les vivants nous serons changés, et ensemble, nous serons toujours avec le Seigneur. Et c'est pour ça que j'aimerais te dire, crois rétrograde, reviens à Dieu, et suis Jésus. Toi qui écoutes, qui n'es pas sauvé, donne-toi Jésus, et suis Jésus. Toi qui es bon chrétien, reste debout et suis Jésus. Jésus vient bientôt, que son nom soit béni, et nous disons oui, viens bientôt, Seigneur Jésus. Amen. Je n'oublierai jamais l'aide qu'il m'a donnée et le père spirituel qu'il était pour moi. Et c'est pour lui que j'ai voulu écrire ces quelques mots, en son honneur, sur le texte de 2 Samuel, chapitre 3 et verset 38. Ne savez-vous pas qu'aujourd'hui, un grand homme parmi nous est mort? Son héritage, c'est sa passion, pour le partage de ses leçons. Dans son bureau, très tard le soir, cherchant sans cesse des petits tiroirs, un grand homme s'en est allé. Lui, le mari, le grand-père qu'on aimait, était pour nous un père qu'on aurait tous rêvé. De tous les enseignants, lui qui était l'aîné, il restera le frère, le fidèle conseiller. Un grand homme s'en est allé. Les deux générations qu'il aura traversées, sa mission, sa passion, il l'avait tant aimé. Il parlait à tout le monde, du plus grand au plus petit, et pourtant dans son ombre, on se sentait petit. Un grand homme s'en est allé. Dans toutes les églises qu'il aura visitées, un souvenir de père il aura déposé. La Bible, sa fortune qu'il aimait tant sonder. Aujourd'hui, la parole l'accompagne à jamais. Un grand homme s'en est allé. Il forma tellement d'hommes dans toutes les nations. Il s'appelait Théom, mais pour nous, c'est païen. Ses études restent pour nous un fabuleux trésor, et il nous parle encore, quoique plus las de corps. Un grand homme s'en est allé. Son message, c'est le ciel. Le combattant Jésus, Satan n'a pas gagné. Il est encore vaincu. Son ami le vainqueur l'attendait en ce lieu qu'il nous a tant parlé. C'est le royaume des cieux. L'école biblique sans lui, nous étions orphelins, mais il pourrait nous dire « Regardez, à demain !» Il s'en est allé. Et même si nos cœurs sont remplis de sanglots, lui dirait pas de pleurs, mais juste un petit bravo. Encore merci, païen.